Quelles sont les démarches pour demander un passeport? Si c'est ta première demande, tu peux soit te rendre directement dans une mairie, soit faire une pré-demande sur Internet. Il faudra ensuite aller dans une mairie pour finaliser ta demande. Suivant les mairies, il faut parfois prendre rendez-vous. Attention, toutes les mairies ne peuvent pas délivrer de passeport. Renseigne-toi avant. Voici des documents que tu devras fournir. Une photo d'identité de moins de 6 mois, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, un extrait d'acte de naissance ou une copie intégrale d'acte de naissance de moins de 3 mois. Si tu as déjà une carte d'identité valide, tu n'as pas besoin de fournir d'extrait d'acte de naissance. Si tu as fait une pré-demande sur Internet, tu devras fournir un numéro de pré-demande. Attention, tes documents doivent être des originaux et pas des copies. Le passeport est payant. Tu devras fournir un timbre fiscal à 86 euros si tu es majeur ou un timbre fiscal à 42 euros si tu as entre 15 et 17 ans. Tu peux l'acheter sur Internet ou dans un bureau de tabac. Lors de ton rendez-vous à la mairie, tu devras apporter ce timbre fiscal avec tes autres documents. Si tu es mineur, un de tes parents ou ton tuteur doit t'accompagner. La personne devra présenter sa pièce d'identité. Si tes parents ou ton tuteur ne peuvent pas venir, parle-en à ton référent.